Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Philippe Corentin. Philippe Corentin n'aime pas les témoignages accablants, il n'aime pas les romans photos, il n'aime pas les bibliographies. Les témoins de sa vie et les personnages de ses albums s'accordent sur un point. Philippe Corentin est un scrogneugneux, mauvais coucheur, coupeur de cheveux en quatre, chercheur de petites bêtes et de poux dans la tête. C'est pourquoi nous avons cru bon de le présenter, d'abord et avant tout par ce qu'il n'aime pas, même si Corentin n'aime pas du tout, Corentin n'aime pas. Dont acte. Philippe Corentin n'aime pas les biographies. Il trouve ça long, vain et fastidieux, toutes ces dates et tous ces faits et gestes. Il préfère aller droit à l'essentiel, mais né en temps, mort en temps, ce serait trop bref et mensonger. Qui plus est, car il est vivant et bien vivant. Alors voilà. Né en 36, père en 71, grand-père en 2000 et 2003, et voilà. Corentin n'aime pas être seul. C'est pourquoi, dès le début, il s'adjoint un frère jumeau. Pour faire front à des parents capricieux, c'est mieux à deux. « On se ressemblait, surtout moi, » dit-il en paraphrasant Alphonse Allais. Non content d'être pareil, ils prennent plaisir à s'imiter ou à inverser les rubans de couleur dont les affuble leur mère pour les différencier. On ne saura jamais qui est qui, eux non plus, d'ailleurs. Pour faire enrager un peu plus leurs parents, les deux frères pratiquent tantôt le langage esquimau, voire photo, tantôt la cryptophasie, langage spécifique des jumeaux, l'éolien, selon Michel Tournier. Phrase dont se souvient encore Philippe Corentin, « Ar unab erala depnamilo »« C'est pas vrai, elle nous a encore fait des coquillettes au jambon. » Petit 3. Corentin n'aime pas qu'on parle de lui. Il préfère que ce soit lui qui parle de lui. Donc maintenant, c'est lui, c'est moi, qui parle de lui, de moi, à la troisième personne. Il n'aime pas la campagne. Il n'y aime pas les arbres, il y en a trop. Il dénature le paysage, cache la forêt, met les feuilles partout. À la campagne, il y a trop de tout. Trop de fleurs, trop de papillons sur les fleurs, trop de mouches sur les fraises, trop de pommes à ramasser. Il fait son cidre lui-même. Trop d'oiseaux à faire taire, trop de balades, trop de hamacs. Il n'aime pas le lapin, petit 5. Il est bruyant. Pendant la chasse, ça pétarade dans tous les coins, ça n'arrête pas. Il empuantit la nature avec son odeur de poudre. Il est peureux et pas beau du tout avec ses trous partout. C'est un dégonflé. Il n'aime pas les animaux. Il n'a chez lui ni chimère, ni grand reptile, ni oiseau coureur, ni camélidé d'Arabie, ni reptile amphibien. Il n'a qu'un chat, Valmont, qui dort sur sa table, et un chien, Ici Médor, qui dort sous. Il n'a d'ailleurs pas non plus beaucoup de femmes, il n'en a qu'une, la même depuis plus de 50 ans, et qu'une fille, la même depuis près de 40 ans. En revanche, il a plein de petits-enfants, deux pêcheurs bretons, bredouilles le plus souvent, mais complètement rigolos. Petit 7. Il n'aime pas le Kamtchatka. Il lui préfère la Bretagne. Et il l'aime tellement, la Bretagne, que contrairement à son frère jumeau, qui est né à Paris, il décide, lui, de naître à Quimper. Au moins, noir y est le blé des crêpes, sain y est Corentin, et grise y sont les crevettes, marmonne-t-il, la bouche pleine de phare aux pruneaux. Petit 8. Il n'aime pas les questions. Surtout les idiotes. Fait froid? Petit 9, il n'aime pas les légumes. Ce n'est pas qu'il lui soit totalement antipathique, mais il joue très mal à la pétanque, il triche aux cartes, sont nuls. C'est donc avec plaisir qu'il les épluche, les pèle, les lave à l'eau très froide, les tranches, les découpes, les ébouillantes, les vinaigres, les plonges dans l'huile bouillante, en fait de la purée,
Il va jusqu'à les dévorer tout cru. De toute façon, il leur préfère les pâtes. Petit 10, il n'aime pas les gâteaux. Les choux sont des gros pleins de crème, pas très choux. Les religieuses font les sucrés, les tartes sont tartes, les éclairs sont la plupart du temps au café, avec les babas qui, quoique cool, souvent imbibés de rhum, cherchent la bagarre. Le seul truc chouette, c'est qu'ils n'ont pas d'arête. Petit 11, Philippe Corentin n'aime pas Corentin, surtout dans la glace. Le matin, au réveil, il n'est pas jojo. Mais il lui trouve surtout trop de talent, trop d'humour. Il y a chez lui un je ne sais quoi qui lui fait penser à du génie. Il aurait voulu plus lourdingue et un peu plus idiot. C'est génial d'être génial, mais c'est crevant. Il n'aime pas les livres. Il y en a trop, ils sont partout. Il y en a en pile jusque sur sa table de chevet.